Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis présentement au lac Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Vous voyez que c'est vrai, là. Regardez voir la ligne de transport, là, tout de suite, qui est sur place. OK, c'est après le rallye à Moncton. Puis regardez-moi la ligne en arrière, là. C'est plus une joke. Le monde se réveille de partout. Et puis, ils nous supportent. Et puis, vous allez voir qu'à partir du 29, le 26, 27, le Nouveau-Brunswick décolle. Et puis, ils prennent position. Le 29, c'est Ottawa. Et puis, le 29, aussi, toutes les frontières vont être barrées. Wanna talk? Non? Vous voyez, le support, toute la lignée du public, puis même les transports sont ici. Et puis, ils supportent la cause. Fait, on a pris la peine de monter. C'est plus une joke, le monde. Non. Réveillez-vous, puis prenez position. Parce qu'ils sont en train de barrer partout. Fait, dans une couple de jours, si c'est pas réglé, il y a 29, là, ben, il n'y aurait plus de gaz, puis il n'y aurait plus à manger partout. Ça fait 7 ans qu'on prend position. OK? You want to talk, buddy? You want to talk? Veux-tu parler? Non? OK. Ben, vous voyez, c'est de la lignée, tous les trucks, le trafic passe, et gardez par là, c'est on. Ça, c'est tous les gars qui sont prêts à bouger tout de suite. Ben, vous allez voir que ça sera moins comique à partir du 29. Parce que tout va être barré partout. Les frontières, et puis la province du Nouveau-Brunswick, le Québec, toutes les provinces au Canada, ils s'attendent au-delà de 100 000 trucks à Ottawa. OK, ça fait 7 ans que tout le monde prend position parce que tous les commerces sont en train de barrer pour travers le Nouveau-Brunswick, nos petits commerces. Les commerçants qui avaient de la misère, qui ont investi toute leur vie là-dedans. Comprends-tu? Leur terrain, les économies. Et puis là, c'est tout en train de former. Ouais. Ça fait, je vais vous laisser, ça fait merci beaucoup, OK?